Eh bien, salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer une problématique que j'ai heurtée avec le giveaway que j'ai fait récemment en partenariat avec Lobster Protocol. Donc, au moment où la vidéo sortira et au moment où je l'enregistre, on est le 24 mars 2024. Et euh, sur le post, j'écris que le tirage au sort sera demain. Mais je suis contraint de le faire maintenant en fait parce qu'il s'est passé un truc auquel je m'attendais pas. Honnêtement, je n'avais pas anticipé que ça allait se passer comme ça. C'est à peu près à partir des 100 likes sur le post, à partir des 100 premiers likes, ça a l'air d'être des vrais comptes, j'ai l'impression. Et après, il a commencé à y avoir plein de comptes. Là, toutes les heures, il y, y a des nouveaux likes, etc. sur le post. Alors, c'est très bien pour mes métriques, je vais pas me plaindre, c'est super, ce genre de truc, mais c'est pour ça que je fais pas de, de, de giveaway avec des conditions du style RT et like, parce qu'à chaque fois il y a des bots et compagnie, c'est pour ça que à chaque fois je mets tout simplement un Formulaire à aller remplir, euh, je suis peut-être con hein, de pas faire des giveaways comme ça parce que là j'ai dû gagner 200-300 abonnés avec ça, mais c'est que des bots donc je m'en bats les couilles. Ça se trouve, dans quelques mois, leur compte sera désactivé et euh, bah, je vais reperdre les abonnés donc honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre. Tant pis, je fais le tirage au sort plutôt que prévu. Et je vais, bah, je vais devoir faire les choses un peu manuellement parce que bah, je ne peux pas aller voir si, euh, si, tel, si chaque compte est un bot. Donc j'ai vu qu'à peu près euh, les, euh, les 100 premières personnes qui ont participé, ça n'avait pas l'air d'être des bots. Donc je vais dans les likes. En fait là il y a tous les comptes qui ont liké le poste. Et bah, je vais tout simplement descendre tout en bas. Et euh, on va commencer par là. Je vais aller générer un chiffre entre 1 et 100. Et euh, bah, je vais compter de, de bas en haut et je vais prendre bah, bah, la personne qui correspondra au chiffre qui a été tiré au sort. Voilà, je n'ai pas trouvé de, de meilleure idée en fait pour ce tirage au sort. Je suis désolé, mais je m'attendais pas à ce que ce soit autant beauté. Et si vous me croyez pas, allez voir les comptes qui ont liké, allez voir les commentaires aussi. Il n'y avait pas nécessairement besoin de mettre des commentaires, mais il y a plein de comptes qui se sont mis à le faire en mettant que un mot et la plupart en plus ils mettent soit juste donne, soit juste merci, soit juste terminé. Enfin, c'est ridicule. Bref, hein. On ne perd pas plus de temps. Je tire au cas où trois personnes au sort. Comme ça, si la personne bah, ne m'envoie pas son adresse ERC20. Et bien j'enverrai un message à la deuxième. Et j'en ai pris une troisième au cas où. Comme ça, on est sûr. Donc je vais générer les nombres. On a le 11, puis le 31, puis le 25. Donc le 11. Ah bah ça va. Je ne vais pas avoir besoin de monter très très haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac, 8, 9, 10, 11. Bah c'est Babop du coup. Bon je pense je, je sais qu'il est assez actif et tout il répond des fois sous mes postes donc ça tombe bien je pense qu'il va me répondre assez vite ensuite au cas où si jamais il répond pas bah tiens hein, euh, on va dire que la deadline c'est 24 heures s'il me répond pas tac je passe au deuxième donc euh, 12 13 14 15 16 17, 18 euh, euh, l'obster ils sont sérieux là <laughs> tant pis euh, j'en étais où merde je me suis perdu dans mon compte donc 12 13 14 15. 16, 17, 18, ok 18 c'était bien l'obster, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Maxime c'est le troisième au cas où, 26, 27, 28, 29, 30 et 31, chat qui pue, voilà, hein, le, le, le compte est plutôt marrant, chaque qui pue, deuxième euh, tiré au sort au cas où, si Babop répond pas, et j'avais dit quoi, Maxime, voilà, le troisième, si jamais les deux premiers ne répondent pas, et si jamais les trois ne répondent pas, Là, vous faites chier, hein, on refera un tirage au sort, c'est pas grave, on prendra encore quelqu'un dans les 100 premiers, mais voilà, c'est des imprévus, j'étais obligé de, bah de de faire le tirage au sort d'une manière qui n'était pas prévue, du coup, voilà, je m'en excuse. Si jamais je suis amené à faire d'autres giveaways de ce style, je pense que, vraiment, j'insisterai pour, pour le faire à ma manière, hein, avec un formulaire et compagnie, c'est apportement de visibilité ou quoi que ce soit, certes, mais est-ce que c'est de la vraie visibilité que ça apporte Dites-moi, si vous avez un instant, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, à votre avis. <laughs> est-ce que c'est mieux de faire un giveaway de cette manière-là, à base de RT, like et on suit des comptes Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux bah, trouver d'autres modèles Je dis pas que le truc avec le formulaire que je fais d'habitude, c'est le bon modèle, c'est le meilleur modèle. Mais en tout cas, j'ai vu que ça filtrait bien quand même les, les dérives comme ça. Alors peut-être que ça apporte moins de visibilité, mais je trouve quand même que c'est de la visibilité plus qualitative. Et d'ailleurs, là, la vidéo que je fais, elle n'est pas sponsorisée. Mais vous aurez le lien du thread que j'ai fait sur l'Obster dans la description, si ça peut vous intéresser. Voilà, en vous précisant que le giveaway, le thread que j'ai fait, c'était sponsorisé. Mais voilà, ça peut vous faire découvrir un protocole. Je l'ai ajouté aussi sur le tableur, sur le track, pour ceux qui suivent. Voilà. C'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Désolé, ça change un petit peu de l'actu crypto de d'habitude. Mais voilà, je trouvais ça important d'être transparent, de vous dire que le tirage au sort, il a pas pu se faire comme il était censé pouvoir se faire. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!